Dans le chapitre 16 de Yehoshua que nous allons voir aujourd'hui, le chapitre commence par le terme Vayetzea Goral Ibne Yosef. Le Goral, le sort, tira ensuite les enfants de Yosef comme héritiers de ce qui va devenir dans la terre de Canaan, sur la rive ouest du Yarden, le territoire de Éphraïm et de Ménaché. Le chapitre 16 traite principalement du territoire de Éphraïm. Alors Éphraïm, il arrive en second dans la liste de la description des territoires de chacune des tribus, en second parce que c'est le second qui est tiré au sort, mais cela correspond aussi à l'ordre dans lequel s'est déplacé les drapeaux et donc les tribus d'Israël dans le désert. Après celle de Yehuda, venait celle d'Éphraïm. Enfin, le sort montre que c'est le résultat de la volonté divine et non pas parce que Yehoshua est de la tribu d'Éphraïm. La tribu d'Éphraïm sur son territoire et dans les limites qui nous sont données dans ce chapitre, c'est un chapitre d'ailleurs extrêmement court, donc notre étude sera brève, siégera, on le verra plus tard, à la suite de Gilgal pendant 14 ans. Le Mishkan y a siégé, eh bien siégera pendant presque 370 ans le temple mobile, le Mishkan de Shiloh. Enfin, Éphraïm, d'ailleurs souvenons-nous que Éphraïm est traité dans la répartition du territoire avant Ménaché, bien qu'il soit plus jeune que Ménaché, un peu comme en écho à ce qu'avait fait Yaakov, vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, dans Béréchit, quand Yaakov inverse ses bras en bénissant en premier le plus jeune des fils de Yosef, Éphraïm, eh bien quelque part ça se traduit ici dans la description de ce territoire dont vous avez la carte sous les yeux, ce territoire qui va d'est en ouest, occuper une grande bande très centrale entre la limite de ce qui pourrait être le nord, que nous verrons plus tard, et celle du sud où siège principalement Yehuda. Ce territoire est délimité par le Yarden, par Yéricho, à la sortie, à l'embouchure du Yarden, au nord du Yarden, et au nord de la mer Morte, et puis donc va jusqu'à la côte ouest, en passant par la ville de Luz, qui est mentionnée dans ce chapitre, ville là encore qui fait référence à Yaakov, qui est quasiment le père d'Éphraïm et Ménaché, bien que leur père généalogique soit Yosef. Et à cet endroit, à l'endroit de Luz, Yaakov avait, au moment où il rentrait en Eretz Israël, fait ce fameux rêve de l'échelle de Yaakov. Alors, ce qu'on peut encore dire sur le territoire de Éphraïm, c'est que demain, l'illustre descendant de Éphraïm, en dehors de Yehoshua que nous voyons aujourd'hui, c'est le premier roi d'Israël, le roi Shaoul. Enfin, pour terminer ce chapitre, nous mentionnerons la ville de Gézer, ou presque on devrait dire la région de Gézer, encore aujourd'hui c'est une région dans l'Israël contemporain, très centrale. Eh bien, un peuple là encore, comme nous le verrons souvent pour chacune des tribus, ce qui expliquera la lenteur de l'occupation, en quelque sorte, des différents territoires qui sont tirés au sort. On a dit à chaque fois que ce partage, mais enfin plus précisément, c'est le partage et l'occupation de cette terre qui va durer 7 ans. Eh bien là encore, comme dans la tribu de Yehuda sur son territoire pour Yerushalayim, en écho ici, nous avons la région de Gézer, où les Cananéens ne se sont soumis que partiellement, dû à la difficulté, parfois critiquée, de la tribu de Éphraïm à les conquérir, puisqu'ils se contentèrent de les soumettre à l'impôt et non pas de les occuper totalement. Voilà pour ce chapitre 16, et je vous donne rendez-vous à demain pour que nous voyons ensemble le territoire de Ménaché. À bientôt.